Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc nous sommes toujours en train d'attaquer la nouvelle région. Tout doucement en tout cas. Voilà. Attention aux environs immédiats. En douceur. J'ai un sicario. Vers le bâtiment. Ennemi à terre. J'ai un sicario par là. C'est bon. Vers le bâtiment. Y a pas de casse. Comment peut y avoir pas de casse? Attention civil, c'est pas le moment de tuer quelqu'un sans le faire exprès. En plein dedans. Ok, ça en fait deux de plus. Ok. Ah, c'est une espèce de grand bain ça. Je me planque. Je sais pas où il est, mais je me planque. Pas peur, hein, c'est pas moi le pire. Hein. Non, c'est pas lui. On cherche normalement quelqu'un dans la zone, mais c'est pas lui. Hop, une médaille. Ça, c'est une cool. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales. Plus 3. J'en ai 13. C'est quoi ce bordel? C'est génial. Limite, j'augmente encore, hein, y a pas de souci. Hein. Mais on va améliorer plutôt son efficacité et sa vitesse. Crac. Voilà, on a un drone qui est bien plus amélioré maintenant. Bien plus efficace. Je vois un sicario près du bâtiment. Couche-toi, ils vont te voir. J'en ai eu un. Un plus. Excusez-moi, je passe. Oh là. Je vois que dalle. Mon drone. Putain, il y a toujours le brouilleur. Hein. Je l'ai vu. Là, cible numéro. Ennemi abattu. Cible numéro 0, oui, tu veux dire. Merde. Les autres trous du cul là qui vont peut-être me voir par contre. Quand je vais l'abattre lui. Cette bagnole a une alarme. Boum. Reviens, tu vas te voir. Mais non. Tout va bien. Il est juste là. Est-il tout seul? Non. Son pote arrive. Ok.
Non, son pote est reparti. Intéressant. Qu'est-ce que tu vous foutez tous? Non, 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 non. Personne ne me repère. Je suis un ninja. Alors là, ça c'était pas prévu. Ok, c'est bon. Zone nettoyée. C'est bon, tout le monde va bien. Ok, ok. Si c'est pas là, je vois pas où ça peut être. On bousille tout juste pour faire détaler les VIP. Hein. Défendre la position. What? On est d'accord. Surtout, faites gaffe aux civils. Les sicarios répliquent. Rien de mieux qu'une petite fusil. Une seconde. Oh, mouais. Je serais mort pour moins que ça, moi, perso. Oh. Non, non, Marcus. Fais pas le con. T'es planté de touche. Voilà. Ça en fait une. Allez, on fait le ménage et on avance. Ok, je l'ai vu. C'est bon, on est tranquille. Oh, ça peut être rigolo. Ils arrivent. On fait quoi, chef? Ah, attendez. Allez là-bas. Hop. Waouh. Waouh, mais y en a un qui est derrière. Mais y'en a un qui est derrière nous. Qu'est-ce que tu vous foutez? Hein, les mecs? Oula, on est trois morts. Il y en a un qui se téléporte sur la map, regardez ça. Meurs pas, hein. Ce serait dommage. Je sais pas si c'est le meilleur endroit du monde, hein, mais... Oh la vache! Et ils sont tous à terre. Et bah comme ça. Moi je vais être tranquille. Frag lancé, comme il y a le gars, couleur rouge. Ok. Frag lancé. Voilà. Contact en visuel dans le bâtiment. Frag lancé, comme une merde. Crac, allez-y. Venez voir papa. Il reste plus que 7 secondes, hein. Allez-y. Hein. Oula, elle est où celle-là? Ok. Allez, venez voir papa. La mission est une réussite. Je m'insurge. On a fait assez de dégâts au casino de Karzita. Allez-y, venez. Venez, je suis pas là. Bah alors, vous voulez plus venir? C'est rien, continue à venir. Cible abattue. Oh! Oh la vache. Voilà.
Et pour rigoler. Pour la blague. Boum. Ok. Tu viendras jamais me prendre. Je suis immortel, comme dirait Sangoku. Vous ne m'aurez jamais. Ah, t'as peur, hein? Ah la vache, y'a des gens que j'ai pas. J'ai pas calculé, mais eux ils me calculent bien. Hein. Crac. Oula. Eux ils me calculent plutôt bien. Y'a un corps qui est juste là. Eh, j'ai eu quelqu'un. Ok, je crois que j'ai eu tout le monde. Une armée comme un seul homme. Ça va? Bah écoute, ah bah téléporte-toi. Ah bah à vous hein. Si vous aviez pas laissé quelqu'un passer derrière nous, ce qui est normalement pas possible vu compte tenu de l'endroit, ça se serait beaucoup mieux passé. Bon, ça c'est fait. J'ai toujours pas trouvé le brouilleur d'ailleurs au passage. Hein. Bon, le drone, apparemment il est dans le coin là-bas, hein, mais et il fonctionnait jusqu'ici. Hein. Truc de fou. Alors question, est-ce que peut-être le brouilleur produit de l'énergie, enfin produit de l'énergie suffisamment, enfin de l'énergie, enfin comme il consomme de l'énergie électrique, souvent les objets qui consomment de l'énergie électrique créent aussi de l'énergie calorifique. Ce qu'il faut savoir que pour quand on utilise l'électricité, en fait la plupart de l'électricité qu'on utilise part en énergie calorifique, en température. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, allons-y, voyons voir. J'ai besoin de trouver ce brouilleur, hein, parce que pour savoir déjà comment, si je peux les détruire à distance déjà. Alors, il est dans le coin. Il y a un brouilleur dans le coin là. Apparemment, il y a un brouilleur dans le coin. Et je ne sais pas du tout où. En plus, comment tu veux installer un brouilleur dans ce genre d'endroit, quoi? Enfin bon, pourquoi pas. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un putain de brouilleur? Ah, ça m'intrigue. Vu que je l'ai pas croisé, ça m'intrigue. Ennemi par là-bas. Ils sont combien là-bas? Oula! Capitaine, je vois une troisième cible. Il doit pas être loin alors le machin. Vous êtes bon? Ok, on y va. Cible éliminée. Bon.
Maintenant, faut répondre à ma question. Où est ce fichu brouilleur? Parce que je sais ni la taille que... Ça se trouve, c'est un tout petit objet dans une maison. Ça m'étonne. Personne m'a prévenu en plus, genre, je vois le brouilleur. Parce que pour le coup, j'ai l'impression de passer à côté de tout le côté du brouillard. Enfin, du brouillage. Parce que normalement, j'imagine que j'aurais dû le... Ah, là, il est pas brouillé. Bon, là, il va forcément l'être, parce que de toute façon, j'arrive dans la zone où... Donc... Je suis sorti de la zone de brouillage, on est d'accord. Hop. Hop. Est-ce qu'il serait sur la plage? Apparemment non, hein. Il va y avoir des infos à recueillir dans les parages. Ah, il dit ça, ça fait deux fois qu'il balance ça, mais... Je ne sais pas pourquoi. Potentiellement parce qu'il doit y avoir des objets au sol en fait, mais c'est pas ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Ce qui m'intéresse, c'est le brouilleur qui est juste absolument nulle part. Mais je suis dedans là. Je vois le canal, mon drone est brouillé. Alors là, j'ai aucune idée de où est-ce qu'est le drone, de où est-ce qu'est le brouilleur. Honnêtement, je suis choqué de pas être passé dessus encore. Incroyable. Incroyable. Je suis toujours brouillé. Et où est-ce qu'est le brouilleur? Je peux pas le louper à ce point, c'est pas possible. Je peux passer à côté quand même, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. C'était un parc national avant. Ça me trouve le cul qu'ils aient construit un casino ici. Santa Blanca doit avoir un paquet de politiques. Oh, elle est chaude. Oh, elle est chaude, la dame. On va éviter de faire trompette. On va éviter de faire trompette, quoi. T'es sérieux avec ta phrase, là? Alors là, je vois pas du tout. Là, c'est une catastrophe. Mais il est où ce brouilleur? Je suis désolé, hein, moi ça me choque, hein, de pas le trouver, ça me choque. Et là je suis brouillé aussi. Je vois le canal. Mon drone est brouillé. Ou alors il est du côté de l'hélico. Tout le système... Je sais pas. Toujours. Incroyable. Incroyable. Eh ben j'ai aucune idée, aucune foutre slash foutre couille idée d'où est calé ce brouilleur. Oh, alors là, chapeau les mecs, sauf si vous l'avez mis à l'intérieur d'un bâtiment. J'ai pas visité celui-là, donc poussez-vous s'il vous plaît, messieurs dames. No problemas, maqué, ça doit être de l'italien, je sais pas. Aucune idée. Je le vois pas. Alors il est peut-être là-dedans. Ça ressemble vaguement à un tremplin d'ailleurs, ce truc-là. Mais ouais, ça me choque de pas le trouver en fait, à vrai dire, chers amis. Parce que ça me permettrait de savoir déjà d'une à quoi il ressemble, etc., etc. De me dire, ouais, d'accord, il y a une vraie physique dessus, il fonctionne à une certaine distance, machin, tout ça. Mais là, alors là, il fonctionne plus, je suis sûr. Ah, il brouille quand même. Je vois le canal, mon drone est brouillé. Il brouille quand même. Alors là, ça c'est intéressant. Ça c'est une information intéressante. Parce que même quand je sors du bâtiment, il brouille. Ce qui veut dire qu'il doit être assez loin. Mais ouais, mais là je suis déjà allé. Oui, t'arrêtes pas de me dire ça depuis une demi-heure, j'ai bien compris, hein. Tu voudrais que je trouve des infos dans le coin. Vous pouvez pas me mettre une carte pour me dire où il est le brouilleur, effectivement? Eh, avouez, vous avez déjà essayé? Essayé quoi? Bah, tu sais, la cocaïne? Bien sûr que non. Allez. Ouais, moi non plus.
Et toi? Officiellement? Ouh là, non. Et officieusement? Deux fois, juste pour voir ce que ça faisait. Attends, t'as sniffé deux fois juste pour voir ce que ça faisait? Bah ouais, la première, j'étais trop foncedé pour me rappeler, alors j'ai dû remettre ça. Oh! Non, non, c'est un truc de sono, ça? Je sais pas. Ça m'énerve de pas le trouver, si vous saviez. À quel point ça me saoule. J'ai l'impression d'être débile, en fait. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'être débile. Je trouve que je suis passé 6 fois à côté, c'est tout petit. Vous avez pété une durite dans les coms. Je suis toujours... Putain. Le signal est foireux, ils doivent brouiller le drone. T'es pas sérieux. Ah, putain, attendez, regardez, là, il y a un... Une espèce de... Je vais pas dire de parking, mais vous savez, de zone sécu. Non, c'est les poubelles. Ce que j'appelle une zone sécu, c'est des poubelles. Putain, voilà autre chose. Brouillé à fond ici. C'est incroyable. Ah, moi, ça me... Ça me troue le cul, chers amis, de pas tomber dessus, hein. Incroyable. L'ennemi est actif dans ce secteur. Un sniper du cartel, sur le pont. D'Avignon ? On y chante ? Non, c'est on y danse ? Je sais plus. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Tous en rond, c'est du danser. Et je peux pas grimper ! Ah ! Utilise tes doigts ! C'est ce que ta dame te dit le plus souvent. Oh putain, j'ai vu un truc pour grimper. Ah, je t'ai vu. Non, il peut pas. D'accord. Bon, tant pis. On va l'abattre de loin. Boum. Bitch. Et là, je suis encore brouillé. Ah non. Là, je suis plus brouillé. Donc, je l'ai complètement loupé, encore une fois. Hein. Oh la gueule. Alors là, je suis désolé, mais je. Ah, regardez. Il y a un petit trou derrière. Ah, j'ai cru qu'il allait être planqué dans un... Bah non, de toute façon, dans un... Allez, est-ce que tu peux grimper là ou pas? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'aime quand tu fais ça. Pourquoi tu l'as pas fait tout à l'heure? Ah, tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes en chemin? Tu t'arrêtes en chemin, quel dommage. Ça semblait fait pour, hein. Soyons honnêtes. Je vais la regarder sur Netflix, parce que là, ça me choque de pas tomber dessus. Comment ça s'appelle l'endroit? Parce que là, franchement. Paraiso Agaverde. Paradiso? Non, pareil. Agua Verde. Brouilleux. Et il ne les dit pas. Voilà, en anglais, Radar Jammer. Non, j'ai aucune info. Aucune info. Sur où ça pourrait être. Oh, le truc de ouf. Le truc de ouf. Alors là, franchement, je suis, mais alors, éberlué. Je veux dire, on joue tous, nous, chers amis, entre nous. On joue tous aux jeux vidéo depuis longtemps, la plupart d'entre nous. En tout cas, on a une expérience du jeu vidéo. Mais le fait qu'on le trouve pas...
Mais ça me... Troue le cul. Mais à un point... Parce que là, je suis brouillé de la mort, je suis sûr, hein. Voilà. Je vois que dalle, mon drone est brouillé. Alors, est-ce que c'est tout petit? Est-ce que vous le savez, chers amis? Dites-le moi dans les coms. Est-ce que vous l'avez vu? Il manquerait plus que ça. Que je l'ai loupé, que tout le monde l'ait vu. C'est ce qui m'inquiète le plus, en fait, dans l'histoire. Hein. J'essaie de trouver un endroit où il pourrait être. Genre très en hauteur, complètement inaccessible. Qui m'excuserait en fait de pas l'avoir trouvé plus tôt, quoi. Presque. Je suis brouillé là. Le signal est foireux, ils doivent brouiller le drone. Mais je vois rien. Rien qui ressemble. Voyez un seul truc qui puisse ressembler à un radar. Radar jam... Enfin, comment, un brouilleur. Alors là... Le drone est aux fraises, ils ont un brouilleur. Putain, peut-être sur ce truc-là, non, je sais pas. Oh, là-bas. Oh, toi. Toi, mon toi, je te cherche depuis... T'es où? Là-bas. Je te cherche depuis tellement longtemps, mais tu vas payer, hein. Oh! Alors là! Mon ami! Hélico de l'unidad en approche. Oui, c'est bon, je suis couché. C'est bon. Mon ami! Alors, ce qui est cool, c'est que je croyais qu'il était dans la zone. Mais en fait, non. De manière réaliste, ils l'ont sorti de la zone. Parce que ça déjà d'une, ça va pas dans ce genre d'endroit. Enfin, je veux dire. Vous voyez dans quel genre d'endroit on est? Dans un casino ou un truc du genre, quoi. Donc, visuellement, ça claque pas des masses, ce genre d'objet, hein. Oh putain. Est-ce qu'il y a des gens autour? Même pas. Il est même pas protégé, leur machin. Bah écoutez, on y va. On va l'arrêter, ça nous en fera toujours un. Wouah! Mais alors là, je suis surpris. Bien joué, hein, bien joué, Dev. D'accord, ça fait ce genre de bruit, ok. Comment je t'arrête? Ok, voilà. Crac! Merci! Bon! Eh ben on aura réussi finalement! Tout ça pour ça! Ce qui serait cool, ce serait d'aller jusque là. Voire même d'aller jusque là. Même pas mal. On pourrait prendre l'hélico. On pourrait prendre l'hélico. On en est où dans l'épisode d'ailleurs? Parce que ça fait bien une demi-heure que je cherche. 28 minutes. Ouais, alors je vous fais... je vous donne du plaisir, chers amis. Je vous fais de l'escalade. En mode safe, hein. Bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Toujours en mode safe, hein. Hop. Voilà. Salut. Non, pique pas. C'est... On vient juste récupérer notre hélicoptère. T'inquiète pas, c'est... C'est normal. J'ai presque envie de... Voilà. Vous venez, les mecs? On va attaquer quelqu'un. Hein? On va... Les mecs? Vous êtes que deux là, hein, vous êtes au courant. Hein. D'accord. Ils vont se téléporter. J'espère. Voilà. Téléportez-vous. Ah oui, c'est la grosse île. Parce que si c'est le cas, on risque d'en chier un petit peu. Tiens, remets-le, Marcus, ça vaut mieux. Oula, il fume le machin. Non, il fume pas. Oh, c'est tellement tactique comme ça, limite. Vous savez, on rate seul. Engagé. Ok. Crac.
Est-ce que je peux viser? Ok. Là, c'était rigolo. Deuxième passage. Ah là 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 là, c'est la fête. Oui, c'est la fête au village. Bon, on va se poser parce que hein. Ok. On y va. Et vous êtes un inconnu, d'accord, ok. Wow! J'ai pas la bonne arme. Ok, on y va. Plus personne. Crac, allez, monte. Donc on est toujours engagé, hein, selon certains. Moi je dirais plutôt voilà, qu'on est pas très engagé. Voilà. Non, c'est pas. Je ne donne plus d'ordre. Démerdez-vous. Je m'en vais. Voilà. Je m'en vais. Ah bah, je partais pas. T'avais pas tombé dans l'eau pour autant. Hein. Je pensais que t'allais sauter, un truc comme ça, que t'allais te bouger le cul ou. Bref. Du coup, ils ont complètement quitté la maison. Parce que ça peut être rigolo si c'est le cas. Hein. Oh, ah bah, il y avait une fête. Y'avait une fête. Bonjour les... Bonjour madame, vous êtes toute chaude, hein. Ah non, pas vous madame. Si ça ne vous dérange pas, je prends une petite chose, voilà. Je suis américain, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, recharge. Nous allons devoir vous libérer. Libérer, délivrer. Tout sera bientôt réglé. Libéré. Ils sont que deux. Ce sera tellement plus rapide. En plein dedans. Et voilà, problème résolu. Cette île a été libérée de la propagande et de la corruption de la cocaïne. Voilà, le Coca-Cola, c'est fini ici. Lequel j'ai le moins à mocher? J'ai un doute. Je vais prendre celui-là. L'ai-je beaucoup à mocher? Je ne sais pas. On va se rendre ici, chers amis. Soyons fous. Faisons-en une dernière. On est bien dans la même région? Oui, on est dans la même région. Voilà. Parce que moi, ça m'intéresse de faire les régions une par une. Hein. Je sais pas. Oh, il y a un gros caillou là-bas, regardez. C'est parti! Oh, il fume noir aussi, celui-là. Oh, il aime pas ce qu'il a pris tout à l'heure. Oula, pourquoi tu te surélèves, mon ami? Voilà. On y va. On fait pas attention à l'unidad, tout ça. Oh, ils auraient bien un lance-missile, non? Ah, bien. Ça pue. Ah bah on est mort. Ah merde. T'es presque là mais t'es pas là. Honnêtement, j'ai essayé d'appuyer sur X pour sortir en hélicoptère, pour sortir en parachute. J'ai essayé. J'ai pas réussi. Apparemment, les missiles, ça fait mal. Je ne savais pas, hein, suppo. Pour moi, c'est fait pour te régler des problèmes plutôt que de t'en créer. Oh, c'est juste à côté. Oh. Oh. Hop, c'est là. Oh, mais c'est mon copain. C'était mon copain. J'en ai eu un. Ok. Bon, est-ce qu'il y a le deuxième? C'est pas un truc de snipe, ça, Marcus. Ok, excuse-toi. Si t'es un tacticien hors pair, dis-le-moi, Marcus. Ben, j'en suis un, écoute. Hein. Ah, d'accord. Okay. Akadok. Vous avez pas de bateau de ce côté-là, vous avez... D'accord, bah, on y va à la nage. Hein.
S'il y a des gros poissons, je suis dans la merde. S'il y a des gros poissons, je vais me faire bouffer. Tout va bien. Nage furtive. Oh. Plus personne ne me voit. Je ne respire plus. Je n'ai plus besoin de respirer. Je suis Dieu. Allez, respire un coup. C'est bon. Ok. Bon, on s'en sort. Donc apparemment, Mass Effect Andromeda... Calme-toi. Là-bas. La 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 la. On pourrait tout aussi bien rigoler. T'appelles ça un poste de tir, toi? Ok. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Un système anti-aérien. J'en vois un autre. Bouge pas ta tête. En plein dedans. Finalement, t'aurais peut-être dû la bouger. Hein. C'est dommage. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc rigolo? Est-ce que tu veux bien me mortifier la zone? S'il te plaît. Des cabanes très très solides. Alors s'ils trouvent ma position à partir d'un tir de mortier, honnêtement ils sont bons, hein, je veux pas dire, hein. Putain. Non, tu finiras pas ta... Une balle dans le genou, ça fait quoi? Oh là, le tonnerre qui... On est au calme, c'est bon, on y va. Mais non. Oh là 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 là. Ils sont presque sûrs qu'on est là. Hein. J'imagine que je ne peux pas. Ah si, je peux. C'est normalement quelque part, j'ai un gros truc là, genre ça. Attendez. Oh. D'accord. D'accord. Genre ça, imaginons que je fais ça. Je passe sur ça. Ça peut être rigolo, non? Pièce, lunettes, vue panoramique. Voilà. Accessoire monté. Voilà. Parce que normalement avec ça, des hélicoptères, c'est rigolo. Voilà. Ça c'est fait. Je fais plus dans la dentelle, c'est fini. Tiens, regardez ça, regardez ça. Technique de pro. PGM en action. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. T'avais quoi là, toi? What? Voilà. Problème résolu. C'est bon, on est tranquille. Ah non. Ah non. Oh putain. C'était pas prévu ça. Ils vont repop. Je mets ma main à couper qui repop. Allez, vas-y, dépêche. Deux secondes, je prends le volant. On est parti. Ah, vous êtes. Vous avez popé, d'accord, ok, pas de soucis. Il y a des tempêtes et des naufrages.
Ok. Je suis à couvert, je suis à couvert, je suis à couvert, je suis à couvert. Tout va bien. Alors qu'il est, on doit déjà être à la moitié du temps. Ça va suffire, vous pensez? Monte! Monte! Putain, il a jamais été aussi lent pour monter. Allez! Allez! Fais ça bien, Marcus! Et boum! Bitch, get out the way! Venez voir papa, on va rigoler deux secondes. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut négocier encore? Parce que je viens vous j'ai discuté avec vous. Ah non, vous êtes plus haut. Oh, vous êtes nul. Oh merde. Si j'avais su, bah je serais pas venu. Donc Madoc, je prends. On va aller chercher le truc. Je sais qu'on extrapole un peu trop, chers amis, c'est pas grave. Ouais, t'as 45 minutes, c'est pas grave. Non, c'est pas là que je voulais aller. Est-ce que je peux piloter, s'il te plaît? Merci. Elle fait un joli bruit, quand même. Ça, je pensais pas que ça recterait l'hélico aussi vite, à vrai dire. Non, non, je suis plus au même endroit du tout. Moi, c'est bon, hein, les renforts, vous pouvez vous les carrer. Profond. Voilà. Mais non. On est tranquille. Je me suis garé comme il faut. Ça, ça... Est-ce que je dois le détruire? Est-ce que je dois le désactiver? Apparemment, ça commence par un dé, ça finit par étruire. Frag lancé, attention les yeux. Voilà. Frag lancé. T'es bon, t'es mort? Ok, merci. Alors attendez, parce que du coup j'ai loupé l'autre truc, le point ici, voilà. Le point de compétence, ça m'en rapporte qu'un celui-là. Dommage. Là, 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 j'ai un truc Kingslayer, un document. Un véhicule de chantier a écrasé des manifestants à Aymara. Pien. Le bilan provisoire est de 25 morts et 17 blessés. Depuis avril, les Aymara. On va indiquer aux rebelles où trouver ces marchandises. Ils nous renverront l'ascenseur plus tard. Pour empêcher les ouvriers de rejoindre le site du complexe hôtelier Paraiso à Bois Verde. D'accord. Ce matin, un engin de terrassement géant a roulé sur les manifestants dont plusieurs ont été tués sur le coup. Le chantier qui a reçu l'aval des autorités se trouve dans un secteur considéré sacré. Des groupes écologistes ont également émis des inquiétudes concernant l'écosystème d'Ak, qui s'estime menacé par les émanations. Ces morts n'ont donné suite à aucune interpellation et les représentants à MRA n'ont pas... En même temps, vient interpeller. ...comptait poursuivre les manifestations. Vient interpeller pour des choses comme ça. ...dans la zone pour rétablir l'ordre. Sans transition. La reine Brita de Suède vient de donner naissance à une fille. On va prendre un G36C des familles. Voilà. J'avais quoi? J'avais ça, moi, il me semble, non? Plus de dégâts. Moins de maniabilité. Plus de précision. Ah non, je vais prendre ça, moi. J'avais peut-être ça. J'avais ça avant, je crois. Alors, remarque, et ça. Ah, mais il n'y a peut-être pas de silencieux sur celui-là. Faudrait que je regarde. Pièce. Canon, bouche d'usine, silencieux. Voilà, canon long. Dégâts, mais moins de... Voilà, parfait. Protège-rail, j'en ai pas. Protège-rail, poignée verticale, je pourrais, voilà. Chargeur, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Lunettes. Ça, j'ai envie de voir ce que ça donne. Cross allongé, cross rétractable, d'accord, ok. Mais il est beau, mon G36. Ben, voilà. Regardez ça! Il est pas beau? Bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous, sur cette pluie battante, on va se laisser là. Malgré tout, mon cigare reste d'attaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!